La salle des archives est droit devant. Ouais. Mouais, mouais, mouais. Ah, tiens. Rebelle sème le chaos dans mon cul. Ok. Bon, allez. Fouillez les archives. Cherchez manifeste, connaissement, réquisitionnement. Tout ce qui peut lier la compagnie aux cargaisons d'hybrides. Bon, on est parti, allez, hein, fouillons. On est censé chercher dans tout ça. Tu calmes, Vignier. Contente-toi de monter la garde pendant que nous cherchons. C'est pas ça. Les mêmes animations. Juste après qu'on soit frité contre le lican là. Voilà. Hop là. Il va tapoter un petit coup. Ah bah tiens, super. J'adore. Prélude en mi mineur. Prélude en mi mineur. Ok, c'est partout. C'est j'ai déjà dû l'entendre dans ouais. Je savais pas que c'était cette musique. Faut dire je m'y connais pas trop dans ce genre de délire. La musique classique et tout, je m'y connais pas trop mais j'ai déjà entendu cette musique quelque part. Sûrement dans un film ou dans une carrière de ce genre. Hein. C'est une musique assez entre guillemets, j'ai envie de te dire assez célèbre, non? Je sais pas. Je sais pas, je m'y connais pas, je sais rien, je sais pas. Je n'ai pas de connaissances. C'est triste. Chopin, voilà. C'est intéressant. Ouais. Non, c'est ça, c'est bien. Ok, on devrait encore chercher.
Oh, nom de Dieu. Oh, nom de Dieu. Wow. Je m'attendais pas à rester aussi longtemps devant le jeu. Ok. La statue de la liberté en France, maintenant la statue de la liberté en Angleterre. Décidément, elle a tout fait la statue de la liberté, hein, avant d'arriver aux États-Unis, à New York. Elle est passée par des tas d'endroits. Oh, elle a trouvé quelque chose, on dirait. Chevalier, venez voir. Vous devriez voir ça. Ces cargaisons ont été envoyées dans mon pays. Si on se fie à ce registre, ma compagnie a étendu son emprise à l'ensemble des Indes. Là, la charge de l'Agamemnon, envoyée vers la côte est des Amériques. Voici trois autres prévues pour le même trajet. RMS Océanique est le suivant. Il lève les voiles dans 6 semaines. Où est Finlay? Quoi? Mais elle avait eu envie de faire... De se faire plaisir, les deux, là. Ils ont le droit, non? Un peu de discrétion, quand même. Bon, j'arrête de dire des conneries, hein. Ça m'intéresse. Là, vous me croyez? C'est lui qui tire toutes les ficelles. Les morts de Whitechapel. Le fléau des hybrides. United India. C'était vous. Jacob Van Neck. Ou, comme les journaleux de Fleet Street m'ont si aimablement surnommé, Jack l'Éventreur. À votre service. Et merci, messire Lucan, de m'avoir amené ces fouineurs. Chargez-vous-en. Ne nous décevez pas, toi. Sacré hasard, vous ne trouvez pas, messire Galahad, le chef rebelle capturé, un traître démasqué, d'une pierre deux coups. Et le traître, c'est vous, malheureusement. Alastair. Mais pourquoi ? Pardonne-moi, mon frère. La sauvegarde de mes semblables passe avant. Semblables ? C'est un vampire, Coco. Vite ! Merde, 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 merde ! Merde ! Ça sert aussi à un vampire ? Je voudrais que je poursuive, je pense. Ah ouais, j'ai même plus envie d'arrêter, là. Alors, je dis pas que c'est un truc de fou, mais... Mais j'aime bien. Voilà, je... Dans chacun son délire. Moi, j'apprécie pas mal, là. L'intrigue me donne... Il est derrière moi. Wow. Putain. Attends, c'est un loup-garou ou un vampire là? Je comprends plus rien là. Génial. Merde.
putain. Chier. Ah, oh, je commence à prendre le coup de main. Hein. Ah, il serait peut-être temps que je les bute quand même. Ok. Ah, ça tu l'as dit. Ah merde! J'aurais bien me rapprocher, mais... Ah putain, le con, là, j'ai... Putain, il se relève! Ah ouais, super, génial. Il se relève, en plus. Alors... Oh, il a carrément disparu. Ah, j'y vois rien, ça m'énerve! Non, fais chier! Casse les couilles, là! J'ai l'impression... que le mec a complètement disparu, quoi. Je vais perdre toutes mes... J'ai plus de munitions, super. Je vais en récupérer, là. Va crever, oui. Voilà, c'est bon. Vite, vite, vite. Alors, c'est sûrement très prévisible pour certains, hein. Je dis pas, les mecs, ils ont vu ça... Attends. Peut-être, mais moi je sais pas. Moi je trouve ça. Ça va pour l'instant. Chevalier, ici le commandement. La présence de plusieurs intrus dans la United India House est confirmée. La police de Londres a reçu l'ordre de rester sur le pied de guerre. La protection et la sécurité de Lord Hastings sont notre priorité. Appréhendez tout suspect avec la plus grande vigilance. Voilà, je... C'est peut-être un scénar de merde pour certains, moi... J'apprécie, pour l'instant, j'apprécie. J'apprécie... bien, ça va. Malédiction. C'est sympa, ça va. Je sais pas, franchement, je sais pas. En tout cas, pour moi, pour l'instant, ça va, j'apprécie. Par contre, je comprends pas, si lui, c'est un vampire... Sa sœur aussi est un vampire ou alors elle est pas au courant? Enfin, c'est un vampire ou un loup-garou? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça que... Je sais pas. C'est un vampire, c'est un loup-garou. Peut-être qu'elle est pas au courant, peut-être qu'elle est au courant. Peut-être qu'elle est complètement con. Et qu'elle sait rien, qu'elle a tout zappé, je sais pas. En tout cas, peut-être qu'il y a un lien avec ça. Avec ses cicatrices qu'elle a au cou. Maintenant, ça se trouve, il y a peut-être aucun lien, c'est de la merde, hein. C'est moi qui a fait une fixette là-dessus. Depuis que j'ai vu des extraits de... Enfin, j'ai vu que cette cicatrice sur son cou, j'ai fait une fixette là-dessus, je me suis dit, putain, il y a quelque chose derrière la cicatrice qu'elle a au cou. Les trois griffes qu'elle a au cou. C'était quoi le délire, là, avec le petit garçon, là? Je sais pas s'il y a un lien. Bobby, je sais plus qui, là, qui a tué ses parents parce qu'il s'est transformé en loup-garou. Par contre, il parlait pas de vampire, hein, mais franchement, vu la façon dont se transforment les vampires, on a quasiment l'impression que c'est une sorte de loup-garou. Enfin, il se transforme en monstre, quoi. Ah. C'est pas juste... Ah putain, merde! Ouf! Ouh, ça fait mal. Ouh, ça me rappelle American History X. Mais en moins pire. Hein. Enfin, bref, je me comprends. Ah, sur la mâchoire, elle a explosé, là. Exploser la mâchoire. Il y a des dents qui ont dû voler. Hein. Wow. Nous avons prêté serment. Ah, c'est juste pour regarder ce que ça fait quand il meurt. Mais c'est un loup-garou. Hein. C'est bien un loup-garou, le mec. Hein. Mais en fait, les loups-garous peuvent se transformer quand ils veulent, en gros. Si je comprends bien.
C'est pas un vampire. Nous avons prêté serment. Merde. Oula. Ça doit faire mal, ça. Au nom de la loi, ouvrez cette porte. Ah, il lui a niqué le bras. Ah ouais, tout de suite, ça... Galahad, pas un pas de plus. Attends, je peux expliquer. J'ai dit pas un pas. Vous arrivez juste à temps. Nous avons eu vent de perturbations. Oui, Galahad s'est introduit ici avec ses infâmes rebelles, avec l'intention de me tuer. C'est un mensonge. Ah, voyez-vous même le résultat de leur attaque. La complice de Galahad était une femme. Le chef de la rébellion, en fait. Elle a pu nous échapper. Pas pour longtemps. Ordonnez le retrait aux gardes de la compagnie, Lord Hastings. Les chevaliers se chargeront d'appréhender ce chef rebelle. Izzy, écoute-moi. Tu fais une grave erreur. Perceval. Mets l'intrus en état d'arrestation. Ils ont tous les deux été adoptés ou quoi? Je suis vraiment navré que cette tâche te revienne, Marquis. Pas autant que moi, monsieur. Fais-le sortir d'ici immédiatement. Elle est pas au courant que son frère est un loup-garou. Je vous remercie, Dame Ygraine. Votre intervention ne pouvait pas mieux tomber. Nous ne faisons que remplir notre devoir, Lord Hastings. Mais j'insiste, madame. Je vous conseille néanmoins de garder un œil sur ce traître. Vous serez certainement convoqué devant la cour. Il faudra que vous témoigniez. Je suis à jamais prêt à servir les chevaliers de Sa Majesté. Ah, d'accord. Tout ça m'intrigue, tout ça me donne envie de continuer la suite. Le prisonnier est ici accusé des crimes les plus odieux. Messire Galahad a trahi notre confiance. Pire encore, il s'est allié avec ces rebelles impies. Et si cela ne suffisait pas, on le soupçonne d'avoir assailli notre vénérable chambellan Lord Hastings. Messire Galahad n'est qu'un traître, un homme sans honneur ni scrupule. J'exhorte le conseil à le condamner à la peine de mort. J'implore la clémence du conseil. Oula. N'oubliez pas tout ce que Messire Galahad a fait pour cet ordre au cours des siècles. Qu'est-ce qu'il nous fait? Peut-être que notre frère peut être sauvé. Ouais, il veut le convertir en loup-garou aussi. Et ensuite remis sur le droit chemin. Le chevalier commandant est bien trop indulgent. Les preuves condamnant le traître sont irréfutables. Oh là, c'est quoi cette coupure? J'ai vu Messire Galahad. Il était en compagnie du chef rebelle. J'étais trop loin pour les entendre clairement. Mais ils semblaient bien se connaître. Ils sortaient d'un établissement servant de repère aux rebelles. Messire Galahad a requis audience avec le grand chancelier et moi. Il a lancé des accusations infondées sur la United India Company et était décidé à trouver Lord Hastings. Faites entrer Lord Hastings. Ah, ils ont même fait les poils du trou de nez, hein. C'est un truc de fou furieux. Lord Hastings, vous avez reconnu le prisonnier comme votre assaillant. Messire Galahad s'est introduit dans notre QG en pleine nuit, accompagné du chef rebelle et de ses hommes. J'ignorais si l'homme que je suivais était Messire Galahad, mais... Mais j'ai vu son manteau, abandonné près de la cage des rebelles. En tant que commandant, j'ai voulu l'empêcher de maintenir ses allégations. Je constate qu'il a ignoré mes conseils.
Ils ont neutralisé plusieurs de mes gardes, ont pénétré mes quartiers, avec l'idée de me tuer. Nous avons trouvé Lord Hastings, blessé par la main du prisonnier. Il doit être condamné pour ses propres actions. Chevalier, quel est votre verdict ? Coupable. 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 Je m'attendais à un non coupable, mais non, non coupable. Ok. D'accord. La sentence est la mort. Ok, d'accord. On arrive au début du jeu là. On arrive au début du jeu. Dépêche-toi. Il a bien failli nous claquer entre les doigts. On en met une pouce. Non mais c'est bon, on l'a déjà vu ça. Pas nous le remontrer. Oui. Ferme-les. Ce visage-là, on l'a vu plusieurs fois dans le jeu. Ça me fait penser un peu au personnage de Gorillaz, d'ailleurs. Rendez-vous ! Nul n'échappe au châtiment ! Vous semblez oublier, grand chancelier. Je suis déjà un homme mort. Galad ! Tu m'étonnes, elle le traite de coupable pour qu'il ait la peine de mort. Elle dit, non, ne fais pas ça, on te tuera plus tard. Entre la vie et la mort. Doucement, mon ami. Ah, c'est le... Survivra-t-il ? Cette décision lui appartient. De quoi ? Ce qui est chaud dans cet univers, c'est que les loups-garous peuvent se transformer quand ils veulent, quoi. C'est ça qui est chaud. C'est ça qui est compliqué. Les vampires et les loups-garous peuvent se transformer à n'importe quel moment. Pas besoin de la lumière, pas besoin de la lune ou je ne sais quoi comme connerie. Les mecs peuvent... À ce qui paraît, ça va finir en pitard mouillé. Hein. C'est-à-dire que ça s'intensifie, puis d'un coup... Comme un ballon de baudruche, ça. Ça dégonfle. Deux jours. Ça fait déjà deux jours. On peut pas le laisser comme ça. J'ai fait ce que je pouvais. Ce n'est plus à moi de le protéger. Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? J'aime bien qu'on... C'est en vue subjective, on sait pas quelle apparence on a. Je lui rendrai visite s'il survit à cette épreuve. Quelle épreuve ? Allez. Allez ! Il faut rester avec nous ! Messire Galahad ! Messire Galahad ! Ouais, je sais que tu le kiffes, mais bon...
Dame qui ? Vous avez bien fait. Ah d'accord. Je ne vois pas quoi faire d'autre. Toute la ville est à sa recherche. En effet. Nous nous occuperons d'elle. Nous devons laisser faire le temps. Il doit être bien foncedé, le mec. Pas n'importe quoi. Je n'ai pas le choix. Si je pars trop longtemps, ils vont me suspecter. Et si c'est déjà le cas? Vous en avez fait assez. Laissez-nous prendre les choses en main. Il me reste encore tant de choses à faire, Dame Lakshmi. Pitié, prenez soin de lui. J'ai peur que sans son aide, nous n'ayons aucune chance. Ok. C'est bien gentil toutes ces conneries, mais à un moment donné, il faudra peut-être... Eh bien, vous êtes plutôt du genre coriace. Vous êtes dans une cage, sur les quais. Vous oscillez entre conscience et inconscience depuis 15 jours. Ça me rappelle quelque chose, ça. Venez, nous devons vite retourner à Whitechapel. Les autorités vous cherchent partout. Comment m'avez-vous trouvé? Grâce à Nicolas. Il vous a amené ici et à Rocky Moon. Nicolas, comment le connaissez-vous? Je le laisserai expliquer son implication dans cette histoire. Nicolas a laissé ça. Il pensait que cela vous plairait. Venez, on y va. Putain, le mec, il aurait pu se laver quand même. L'eau noire, comment l'avez-vous trouvée? Il m'a été confié. Vous voulez dire que c'était un chevalier? Messire Bors de Gunnis. Messire Bors a disparu depuis la quête du Graal. Il est donc toujours vivant, en Inde orientale? Je n'ai pas dit qu'il était encore en vie. D'accord. Si tu veux, il n'est pas encore en vie. Je peux pas fouiller les alentours, ok, d'accord. On va passer par ici. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Donc c'est un peu con ce que je dis. Alors... Une patrouille de la compagnie. C'est juste un peu ce que je craignais. Merde. Ah putain, alarme de merde. Homme de la compagnie à terre. Ah merde. Ah. Ils sont séparés, ils arrivent par les deux tunnels. Ah, fais chier. Ah, je peux même pas me mettre à couvert derrière les tonneaux, quoi. Tu viens sur la sec ? Attention ! Ah ! Merde ! Ah.
Ah ouais, ok, d'accord. Merde. Putain, mais... Il veut pas se mettre à couvert, ce con. Il en a rien à foutre, hein. Ils s'en bat les couilles. C'est bon. Et des renforts sont en route. Tout à fait d'accord. Soyez prêts. Ah, il veut pas se mettre à couvert. Il a rien à faire. C'est plus son problème, maintenant. Cible à terre. Oh. C'était les derniers. On ferait mieux de partir avant qu'il n'y en ait d'autres. Je vous suis. Wow. Ça lui a carrément arraché la jambe. Munitions... Bon, d'accord. White, ça peut aller par là. C'est maintenant que... Tu tires, tu regardes. Dame Ygraine, tout semble indiquer que plusieurs personnes sont passées ici. Mais Sir Galahad a dû être aidé. Informez le conseil que nous avons le malfrat. Ordonnez à tout chevalier de se diriger vers Whitechapel. Oui, madame. Que Dieu m'en soit témoin. Je mettrai un terme à cette rébellion. D'accord. Tout le monde, partez! Vite! Ce barapute, c'est aux Indiens? Enfin, c'est à l'Indienne, je veux dire. Nous devons fuir. Les autorités vont prendre d'assaut Whitechapel d'un instant à l'autre et arrêter tous ceux qu'ils trouveront. Prenez ce que vous pouvez et filez. Il me reste une chose à faire au palais. Avez-vous perdu la tête? Vous devez absolument éviter le palais. Je vais mettre Nicolas en lieu sûr. Je lui dois bien ça. Alastair vous connaît. Il attend votre venue. Je sais. Nous irons ensemble. Non. C'est un combat que je dois mener seul. Et si j'en sors vivant, je vous retrouverai. Qu'il en soit ainsi. Vous l'ignorez, je ne suis plus chevalier. Vous n'êtes pas chevalier, monsieur. Mais êtes-vous un renégat ou un patriote? Que suis-je à tes yeux, marquis? Je pense que vous avez vos raisons. Après deux révolutions, je sais que les deux camps sont tout aussi dangereux. Je ne l'oublierai pas, Marquis. Je l'espère bien, monsieur. Mais si vous menacez la liberté, Lafayette comptera parmi vos plus fermes opposants. Adieu, monsieur. À la prochaine fois. Oui. À bientôt, mon cher. Ça sent la fin du jeu, ça. Vous partez déjà ? Davy. Vous vous souvenez donc de mon nom ? Je vous dois des explications. J'aurais dû vous faire confiance. Nous n'avons pas le temps pour les civilités.
Vous avez l'air de chercher à vous faire tuer. Je dois régler ça, à tout prix. Bon, tenez. Oh, et revenez en un seul morceau. Ma reine semble vous apprécier particulièrement. On verra bien. D'accord, va falloir que je sauve le petit Nicolas. Y a pas de problème, hein. Enfin, va falloir qu'il sauve le petit Nicolas. Je suis un peu perdu là. Nicolas, répondez. Je suis dans les catacombes, je vous rejoins. Monsieur Galad, avez-vous perdu la tête? Ne venez pas par ici. Ne bougez pas, j'arrive bientôt. Sur moi, ça servait à quelque chose, je sais pas, il y avait un code, des codes spéciaux ou je ne sais quoi. Ça sert tellement à rien que ça en est choquant, quoi. Ouais, sa dernière aventure, c'est d'aller sauver le petit Nicolas, alors que il vient de découvrir qu'il y avait des loups-garous dans son cercle de je sais pas quoi là. Ou alors quelque chose qui m'échappe. Oh, il s'est même pas retourné le mec. Il a même pas compris ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qu'il regarde? Effectivement. Feu? Où ça a feu? Ouais, putain, j'aurais pu le choper. Oh non, non, non! Oh putain! Bon, je peux rien contre lui. Bon, c'est bon, il m'a eu là. Il m'a eu, je suis foutu. Ouais, c'est bon, il m'a eu. C'est mort. Heureusement que je peux revenir en arrière, mais bon. Je le fais reculer le con, mais c'est pas suffisant. C'est quoi R1? Ah, d'accord. Tiens, toi. Ah mais t'es sérieux toi? Tu vas crever, oui.
J'ai vraiment une arme d'homosexuel là. Allez, bordel de cul là. Tu vas mourir, ouais. Merde. Ok, je l'ai. Par contre, le mec en armure, je sais pas où il est là. C'est le plus dangereux. Ah putain, mais. Ah ok. D'accord, le... Merde. J'ai plus de munitions. Aïe. C'est génial. On va tester avec ça. Toi. Ah mais y en a combien comme ça? Ah. Flingue. Voilà. Petite grenade. Putain, il y a tellement de flingues différents, ça me casse les couilles. Ah, ok, des munitions. Ça réapparaît? Non, ça réapparaît pas. J'ai l'impression que la fin du jeu ça va se résumer à ça. Tu sauves le petit Nicolas et ensuite fini, terminé. Et pour le reste, il y a des loups-garous et des vampires dans la confrérie ou je sais pas quoi. Ou je sais pas quoi. Et on fait quoi pour ça? Rien? Non? Bon. Non, je sais pas, je dis peut-être que des conneries, mais là. Ça a duré 10 ans, on va sauver ce con et puis. Et puis c'est tout. Messire Galahad, nous allons peut-être avoir un problème. Messire Lucan va bientôt arriver. Nicolas, vous devez partir d'ici, vite! N'ayez crainte, mon ami. Je laisserai la communication ouverte de mon côté. Tout va bien se passer. Ne faites pas n'importe quoi, Nicolas! C'est pas vrai. Vingt-neuf, onze, quatre-vingt. Merde. L'attention du représentant de la section de la côte est américaine. Les récents événements soulèvent nombre d'interrogations parmi nos membres. L'Empire semble estimer que la monarchie se porte bien et que tout est sous contrôle. Mais la réalité est tout autre. Beaucoup se plaignent de l'oppression exercée par la reine, mais ils ignorent qu'un groupe bien plus puissant a pris les rênes du pays. L'ordre a déclaré la loi martiale contre Londres, et je crains que nous cédions bientôt le point. Les dirigeables qui, sous prétexte de nous protéger, nous surveillaient en permanence, sont désormais devenus synonymes d'oppression.
étions-nous mieux lotis sous l'autorité de Sa Majesté? Regretterons-nous un jour l'époque où elle sortait ponctuellement de sa retraite pour nous faire la morale? J'ai encore peine à comprendre comment nous avons pu en arriver là. Aussi, je vous conjure de ne pas revenir. Du moins, pas encore. Peut-être serons-nous bientôt obligés de vous rejoindre et d'abandonner à notre tour la patrie qui nous a vus naître. Nom de Dieu. Donc, j'ai quoi, moi? Ça, ça a l'air d'être un peu plus intéressant. Ah ouais, d'accord. Et que 6 balles. Bon, tant pis. On va tester quand même. Galahad ! Allez, laissez tomber ! Ne vous inquiétez pas, les gars. Oh, merde ! Putain ! Oh, nom de Dieu, nom de Dieu, nom de Dieu! Rendez-vous maintenant, Galahad! Ne vous inquiétez pas, les gars. C'est sur lui que je dois me concentrer. Sale traître! Lâchez votre arme! Ne vous inquiétez pas, les gars. Donc, vas-y, vas-y, viens t'occuper de moi. Viens t'occuper de moi, salope. Voilà. Oh putain. Voilà. Toi d'abord. Toi d'abord. On ira tous en enfer. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qui est au courant qu'il y a des vampires et des loups-garous au sein de la... J'avoue que ça me trifouille le... Ça me trifouille l'anus. J'aimerais vraiment savoir qui est au courant de ça. Qui? Bordel de cul, qui? Je pense qu'ils sont tellement lobotomisés, les mecs, qu'ils en ont rien à foutre, quoi. Je pense que... Ils voudront pas le croire. Surtout que Galahad, c'était pareil. Hein. Lui aussi, il voulait croire en rien. Jusqu'à ce que... Oh non, j'aime pas cette arme. J'entends des bruits bizarres, là. Ou alors, c'est peut-être l'autre qui... Ouais, super. Attends, ça aussi? Non, c'est ça. Si, on dirait... Attends. D'accord. Non, ça c'est quoi? Ah, putain, j'ai mal au cul! C'est à force d'être assis, ça. Ça me défonce l'anus. Oh, il y a plein d'armes ici, mais je sais pas lesquelles choisir. J'ai choisi le magnum, mais bon. C'est un peu comme un gosse qui serait dans un magasin de bonbons. Ah merde, c'est pas vrai. C'est chaud. Et des mecs qui peuvent venir, ils peuvent me voir par derrière facile. Hein. C'est quoi cette arme d'homosexuel là? Voilà. Putain, et cette manette, elle me fait péter un câble. C'est vraiment une manette de merde. Voilà. Attends, il est où? Ah! Non! Attends. Ah putain, voilà, c'est ce que je redoutais. C'est ce que je redoutais, putain de merde! Je vais m'approcher de lui! Attention, grenade!
Ne lâchez pas. Je m'avance. À vos ordres. Foutu. Foutu grenade. Foutu grenade de merde. Je me suis foutu la grenade dans la gueule moi-même. Couvrez-moi. Je dois m'approcher. Oui. Attends, c'est quoi pour la lancer là? Attends. Couvrez-moi. Je vais... Ah ouais. J'aurais pas dit mieux. Oh, merde. Non. Non. Non, putain de merde. Va te faire foutre. Allez, c'est partouze. Il est là. Chien. Ça fait chier, fait chier. Ouah, j'arrête. Y'a mes doigts qui glissent sur ces putains de sticks de... Merde. Non, je fais n'importe quoi. Je m'avance. Ah merde. Les mecs ils sont tellement nombreux et l'espace est tellement petit. Attends. Ah, fais chier, merde. Tu vas mourir! Mais tu vas mourir, ouais! Non, non! Non, non! Putain de merde! Il est là! Je vais te couvrir! Waouh! Waouh! Nom de Dieu, mais c'est quoi ce délire? Ah! Non, non, c'est con ce que je fais! Je suis foutu. Je l'ai eu. Non, s'il te plaît. Ah, non. Vite. Ah, oh, fais chier. Oh putain. J'ai failli l'avoir en plus. J'ai failli l'avoir. Il me faut une arme bien plus efficace que ça. J'ai choisi des armes d'homosexuels, ça va pas le faire. Ça, ça peut être sympa, ça. Tout compte fait. Ah, nom de Dieu. Hop. D'accord. Bon sang. Ouvrez le feu. Attention, il a un téléphone. Un fusil de merde. Il manquait de munitions. Ça me casse les couilles, ce fusil de merde, là. Il est puissant, mais... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je... Ok, d'accord. C'est vraiment de la dope ce truc, hein. Je prends trop de temps. Je dois m'approcher.
Je l'ai même pas touché. Merde. Ouais, super. Aïe. Ah, super. Ah, putain. Je sais pas. Putain de merde. Ah, fais chier, je sais pas où je dois me mettre. Je sais pas où je dois aller, je sais pas où je dois me protéger, putain de bordel de cul. Électrofusil, c'est de la daube. Enfin, c'est pas mauvais, mais bon. Bon, je vais réessayer avec. On verra bien. Dès qu'il y a l'autre qui arrive avec son. Son espèce de lance-grenade. C'est un peu la merde. Merde. Allez. Ah putain! C'est ce connard qui se trouve ici. Moi je suis baisé. Fais chier. Bouge, putain! Chier. Merde, c'est... C'est pas le moment de crever. Putain, je suis mort.